pour la suite de Pickle Magical 3. Bon, alors, ce qui s'est passé juste avant... Oh, je peux faire du melon. Oh, bah c'est cool, tiens. Hop, un melon. Un petit melon. Tout beau, tout docile, tout mignon. Donc, alors, du coup, ce que j'étais en train de faire en sorte que... déjà, je vais relier un petit peu les minerais verts, en fait, ici. Tac, tac. Touc, tranquillement, les minerais. Peut y avoir ça, il peut y avoir ça. Ceci que je veux, ici, il n'y a rien. C'est parfait. Donc, tac, tac, tac et tac. Donc, alors, au niveau des quêtes, on va avancer un petit peu plus. C'est de faire du magical. Donc, vous faites, en fait, du minutio essence ici, du diamant et de la bonne mine. Donc, ça vous en donne 4. C'est magnifique, je ne sais pas à quoi ça sert. Faire ça... Install Growth Magical Crops. Ok, en fait, ça vous donne en fait tout simplement directement en fait le statut que c'est plein. D'accord. Donc en clair, si j'en ai une petite là, pouf. Oh, c'est tellement pété. Oh, c'est tellement cool. Tuc, 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 tuc. Ah bah c'est magnifique ça. Tiens. Eh bah voilà. Hop. Bon, ça m'a pas donné de graines supplémentaires, mais je trouve ça tellement cool, en fait. Bon, c'est un peu cher, hein, faut dire ce qu'il est, c'est un petit peu cher. Mais dans l'immédiat, c'est plutôt sympa. Donc, du coup, bah, ça m'a redonné 13 de plus. Donc, c'est plutôt sympa, ça. À noter. C'est intéressant. Du coup, ce qu'il nous demande de faire maintenant, c'est tout simplement une Asio Apple. Donc ça, bah ça va, c'est pas très compliqué non plus. Je vais quand même vérifier. Asio Apple. Ah, j'ai que 2 pages en fait. Ok. Asio Apple. Déjà, les Apple, je les vois pas. Oh. Attends, Magical Crops. Voilà. Ça sera plus simple. Oh, ça c'est tellement mignon. Pickle Stock. Ok, des apples. C'est bizarre, on le voit pas. Pourquoi on ne verrait pas ce qu'il faut? C'est un petit peu dommage. Acacia, hop. Alors on peut faire des fours. J'ai pas compris pourquoi ça servait. Peut-être à faire cuire plus long, plus vite. Je sais pas, je... Tant pis, j'aurais espéré. On peut faire du coal, donc ça c'est important. C'est plutôt intéressant, surtout pour avoir des sites de coal. Dye du water, de la terre. C'est pour ça qu'il me faut de l'acide, parce qu'au moins j'aurai de la terre. Ça c'est de lingot. Ça coûte un petit peu cher pour faire un lingot, mais bon, c'est sympa. Et ça, bah, c'est pour faire des armures un petit peu pétées quand même. Hein. Surtout en durabilité en fait. Oh, on peut faire du rubber. Ah, ça c'est cool. Et nature. Ok. Mais du coup, au niveau de l'Apple, Asio. Ah, c'est de l'Asio, c'est différent. Ouais, mais c'est de l'Asio. Apple. Asio Apple. Ah, d'accord, c'est un truc modifié. Ah, je peux pas me la give déjà. Non. Ça serait cool. Craft Asio Apple. Ah, c'est peut-être en fait une quête d'un mod. Asio Apple. À moins que on puisse quand même la faire. Je vais voir. Peut-être qu'on peut se faire une pomme. Je vais voir ça tout de suite. Alors, soit en faisant ça. Soit en faisant ça. Soit en faisant ça. Soit je n'en sais rien du tout. Ok, on peut pas la faire. Donc peut-être en fait c'est tout simplement une quête éventuellement supplémentaire qui nous permettrait de faire tout ça. Peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc du coup, bah Dambi, je vais pas pouvoir me faire ça. Et assure au ingot. L'asio ingot, ça on peut le faire, c'est juste du fer, ça et des nuggets. Donc bon, ça c'est pas très compliqué. Donc j'avais dit ça, 4 iron.
Hop. Alors, déjà, on fait ça. Je vais juste me faire un lingot parce que je ne vois pas l'utilité d'en faire plus. Non. Tac, 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 tac. Déjà, ça coûte moins cher, bizarrement. Hop. Un ingot. L'ingot, en fait, ça nous permet de faire... Oh, des belles armures, d'ailleurs. 84% de réduction. Surtout, elles sont belles, en fait, les armures. Donc, c'est plutôt cool. Donc, du coup, bah, ça t'en donne un deuxième. C'est pratique. Sinon, dans l'immédiat, bah, je ne vais pas pouvoir faire ça. Ah, peut-être de la surmiscence. La suressence with mana give mystical property. Ok. Il m'en faut juste une? Ouais. Non, ça marche pas. Ça marche pas, on dirait. Assure essence. Mana infused. Ouais, je confirme, mais j'ai de la mana en dessous, j'ai... Non, ça veut pas. Ça a pas l'air d'avoir envie, en fait. Hein. Peut-être en pétant ça. En pétant ça, peut-être que je vais avoir de la mana infused. Non plus. Bon. Bah, tant pis, j'aurais espéré au moins avoir un petit truc. Mais il a pas du tout envie que je fasse ce qu'il faut. Donc du coup, ce qui est un petit peu chiant, c'est que... Avoir de la mana pool. Bah ouais... With mana, give a mystical property. Bon bah, ça veut pas, hein, ça veut pas. C'est pas moi, hein. Mana essence, pickle. Acacio essence, acacio essence. Donc ça serait limite ça, déjà. Attends, je vais essayer avec sans le bloc en dessous pour l'autre. Non, bah non, ça veut pas de toute façon. Bon bah tant pis, j'aurais espéré avoir un petit truc, voir si ça marchait, mais pas du tout. Donc du coup, bah tant pis, je vais éviter de faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été débloquées? Pas du tout. Bon, absolument pas. Donc du coup, eh ben on va devoir un petit peu s'attaquer à ce qu'on veut dire, ça veut dire Tomcraft. On va devoir s'attaquer un petit peu à Tomcraft, histoire de peut-être éventuellement augmenter nos chances de, on va dire, pas de production, mais nos chances tout simplement de faire des belles choses avec des blocs. Donc hop, oui j'ai rajouté un petit peu de tout et n'importe quoi dans le coffre, mais bon c'est pas grave. Donc du coup, bah, on va attaquer un petit peu Tomcraft. Déjà, ouvrons le truc et recherchons si on a un mode qui nous permettrait en fait d'obtenir ce que l'on veut. Déjà, hop. Ici, bah non, non, non. Putain, il va falloir faire un altar, ça va être assez chiant, surtout qu'ici, on n'a pas ce qu'il faut éventuellement. Et puis, de toute façon, je ne pense pas pouvoir faire grand-chose. Automagie, c'est pas de l'automagie. Alors peut-être que, éventuellement, par la suite, ça va nous débloquer en fait une quête de... Comment? Oh, ok, très bien, je peux déjà débloquer. Une quête éventuellement Magical Crops sur le côté, hein, on ne sait jamais, de toute façon. C'est qu'une partie de plaisir après. Bon, bah... Ok, bon, bah tant pis, j'aurais pensé qu'on puisse faire quelque chose. Cependant, ce qu'on va faire, c'est déjà... On va bouffer le livre. Pourquoi le livre, en fait, ça nous permet tout simplement... De découvrir en fait les ombres. Les ombres sombres, parce qu'on a des warps. Ces ombres sombres, du coup, ça va nous permettre de débloquer un petit monde éventuellement par la suite. Tomic, tac, 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 tac. J'ai l'impression que ça a débloqué des choses, mais. Peut-être ici. Ouais, ça a débloqué, ça c'est sûr. Hop. Bon, enfin bref. Donc, du coup, comment ça marche, Tomcraft? Tomcraft, c'est. Un mélange d'aspects que vous pouvez fusionner pour découvrir d'autres aspects. Pour faire ceci, dans le Tomcraft de base, vous avez besoin en fait de papier et d'un scribing tool pour ceci découvrir des recherches. Là, ces recherches-là sont en négatif moins 1,
Ce qui veut dire en fait vous avez besoin seulement d'aspects pour pouvoir débloquer les recherches. Donc c'est plutôt un bon point, ça permet de d'accélérer énormément les recherches et pouvoir faire ce qu'il faut correctement avec. Cependant, il y a une chose que je voudrais bien savoir, c'est est-ce qu'on reste dans ce biome et du coup je rase tout? Je rase tout pour faire une belle sphère, une belle chose éventuellement. Ou je change complètement d'endroit, je vais dans une prairie. Sachant que la prairie est quand même assez belle, je ne sais pas aller où. Ah oui, c'est vrai que j'ai changé d'adresse de serveur, donc j'ai plus les maps. Mais en tout cas, c'est un bon point pour faire ce qu'il faut. Donc du coup, bon, on va rester ça comme ça. Je vais juste faire une mini-ellipse pour aller rechercher mes items. Et je reviens immédiatement. Donc, me revoici. Du coup, j'ai ce qu'il me faut derrière. En fait, c'est tout simplement une image qui me permet en fait de trouver des recherches. Parce que j'en ai marre de rechercher, rechercher, rechercher. Sachant que les modes, en fait, en fonction des modes qui sont installés, changent complètement. Donc, du coup, on va faire ce qu'il faut. Oh, c'est tout beau. Du coup, alors, là, je n'ai que actuellement les recherches primaires. Et on va devoir chercher les recherches secondaires. Les recherches primaires, c'est tout simplement ceux qui vont se recharger indéfiniment. Et du coup, ces recherches-là, pour accélérer en fait le traitement pour que ça aille plus vite, faut mettre des bibliothèques derrière, donc derrière ou autour de vous, et des clusters. Les clusters de Tomcraft, c'est tout simplement les petites shards en fait. Que je ne trouve plus. Les shards, elles se trouvent où ces shards là? C'est des shards là, ces shards là en fait on peut les obtenir en plus avec Magical Crops, donc ce qui est quand même pas rien. Et vous les trouvez de toute façon à la génération 31. Toutes les shards. Et ces orte shards, voilà, c'est déjà des cocottes asséchantes. Par contre, eux ils commencent vraiment à me saouler avec leurs portes. Je vais peut-être les enlever parce que c'est vraiment très très chiant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher déjà nos premiers aspects afin d'obtenir des aspects secondaires. Donc déjà, on va mélanger le feu et l'air pour nous obtenir du luxe. On va en mettre deux. Hop, voilà. Quand vous découvrez une recherche totalement nouvelle, ça vous donne trois aspects directement. Trois aspects, et ensuite, quand vous les débloquez vous-même, en fait, vous obtenez juste un aspect. Maintenant, on va chercher le Ténébras. Le Ténébras, c'est une recherche tertiaire, cette fois-ci 3, troisième catégorie. C'est du luxe. Et ben, je ne peux pas parce que je n'ai pas recherché l'autre recherche. Donc, on va chercher en fait toutes les propriétés, toutes les recherches secondaires. L'ordo et l'air. Ça va nous débloquer du motus. Alors lui, je vais en faire plusieurs. Ensuite, il vous faut de l'ordo et du perditio. Ça vous donne du permutation. Normal. Ensuite, à base de d'aqua et de ténèbres, ça vous donne le poison. À base d'aqua et de l'air, ça vous donne la puissance du wither. Donc ça vient les orages. Ensuite, Terra plus Aqua, ça vous donne du Victus. Ça je sais, je vais en faire plus parce que je vais en avoir beaucoup. Ensuite, du Terra et de l'Ordo, ça va vous donner du Vitrius. Vitrius, c'est tout ce qui est cristal, glace, et ainsi de suite. Ensuite, on passe à une autre version, l'Ignis, qui est tout ce qui est feu, avec de l'Ordo. Vous obtenez du Potentia. Une fois l'ignis fait, vous mettez du perditio. Ça vous donne quoi? Ça vous donne du gélium, tout ce qui est ice, ce genre de choses. Et ensuite, on va terminer par le perditio qui est avec de l'air et ça vous donne du vacus. Voilà. Donc ça, on a recherché nos premiers aspects. Ensuite, on va chercher les aspects tertiaires, la troisième vague. Donc c'est pour ça qu'on a découvert le Vacus. Donc on va chercher du luxe et du void. Ça va nous donner des ténèbres. Les ténèbres. Et ensuite,
Vous allez chercher tout simplement du Darkness et du Void pour obtenir de l'Alienis. Voilà. Donc ça, dans la partie de l'air, en fait, la colonne de l'air est terminée. Maintenant, on va passer à la colonne, par exemple, de l'ordo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va choisir du Motus et de l'air. Ça vous a donné du Volatus. Waouh. Ça, c'est super swag. Maintenant, vous choisissez votre Motus. Et bouche cousue, vous prenez du perditio et ça doit vous donner du vinanium. Viculium. Ah bah j'étais pas très loin. Ensuite vous le cherchez avec du victus, ce qui va vous donner les bestias, donc tout ce qui est cochon, ce genre de choses. Et vous le mélangez maintenant avec de la terre et ça va vous donner en fait l'autre item qui veut dire litter. Journée, travel, tout ce qui a un voyage rapide. En fait. Maintenant, on va passer à la version Aqua. Aqua, bah, il n'y a rien d'autre. Malheureusement, ils seront terminés sur ça. Rien que les recherches en fait primaires sur l'Aqua, il n'y a plus rien. C'est magnifique. Ensuite, on va chercher Terra. Donc Terra, ce qui est bien, c'est que on va chercher le Victus, le Vitrius plutôt, et on va lui mettre de la terre dessus. Et grâce à ceci, ça va vous donner ensuite du métallium. Donc, tout ce qui est à base de métal. C'est-à-dire l'or, le fer, l'obsidienne, l'obsidienne god, des fois ça marche. Ça dépend des packs, mais ça marche. Ensuite, ce qu'on va chercher, c'est à partir de Victus, c'est pour ça qu'il va nous en falloir pas mal, lui. On va lui mettre du perditio. Grâce au perditio, ça va vous faire du mortus. Vous lui rajoutez, par exemple, de l'aqua. L'aqua, ça vous donne du limus. Limus, c'est tout ce qui est slime et sticky blisson. Ensuite, vous lui donnez de l'ordo. Cet ordo, ça va donner vous de sano. Donc, tout ce qui est pommes, de notch, golden apple, les pommes, les potions, ce genre de choses, ça marche bien. Tout ce qui est à base de vie. Vous lui rajoutez de la terre, ça vous donne de l'herba. Et grâce à cette herba, ensuite, c'est tout ce qui est plante, vous lui rajoutez de l'air, et ça vous donne de l'arbre. Waouh, c'est trop magnifique. Donc, ceci étant fait, maintenant, on va passer à côté l'Ignis, donc on va chercher le Potentia, qui est lui. On va lui rajouter un coup de Void, et ça va vous donner du Prakensio, tout ce qui est à base de magie. Vous lui rajoutez de l'air, ça vous débloque en fait de leur âme, et vous lui mettez du Perditio. Ça va vous donner totalement autre chose, qui est ceci. Le Vitium, c'est tout ce qui est les biomes Taint, les biomes dangereux, pour éviter la propagation en fait du monde. C'est tout à la base de ça. Ensuite, vous avez besoin de Void. Alors par contre, comme je n'ai plus de Void, du coup, je vais devoir aller en recréer du Void. Et c'est tout simplement du Ténébra et de l'air. Voilà. Hop, j'en ai recréé. Maintenant, vous mettez du Void et vous mettez du Victus. Et ça vous redonne, du coup, ça va vous donner du Famous Hunger. Tout ce qui est de la bouffe, en fait. Maintenant, une fois ceci étant fait, on va devoir passer à une autre version qui est la version 1. Alors ça c'est la 1, la 2, la 3, la quatrième version, quatrième catégorie, qui à partir de Bestien et de Mortus vous donne l'aspect Corpus. Voilà, tout ce qui est Rotten Flesh. Voilà, au moins vous êtes tranquille. Ensuite, il vous faut toujours du Mortus, c'est la partie la plus morbide. Vous lui mettez du Motus, et ça va vous donner Examis. L'Examis Undead, c'est-à-dire les têtes, principalement. Ensuite, il vous faut du Mortus et du Victus, et ça va vous donner du Spiritus. Donc Soul Sand, principalement, et des têtes. Ensuite, bah ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors maintenant, la seule quête, en fait, la plus grande... L'arbre le plus grand, c'est tout ce qui est avec Terra. Donc là, on va passer à la tierre numéro 5. Parce que pour ça, ça commence à être un petit peu complexe. Ensuite, il vous faut du Spiritus. Vous le rajoutez de l'air. Et ça va vous donner du Sensus. C'est tout ce qui est hibou. Voilà. C'est de l'hibou, en fait. C'est des glaces. Des fois. Spiritus, vous le rajoutez du terre. De la terre. Du... Ah, ça vous le redonne... Pas ce qu'il faut. En fait, là, ce que j'étais en train de chercher, c'était des cognitos.
Le Konishio, en fait, très clairement, en fait, c'était ça, des bookshelves ou du papier. C'était ça surtout. Cependant, il va falloir qu'on se fasse un petit tomomètre. En fait, dans la quête, c'est ça, du tomomètre. Le tomomètre, en fait, se fait tout simplement à partir, voilà, de gold, de shard et de glace. Hop, de gold, de glace et de shard que j'en ai pas si j'en ai quand même. Tiens, je vais aller les prendre directement. Alors, les shards, c'est un petit peu précieux, surtout au démarrage. Donc, à bien en prendre soin correctement. Et bien sûr, il y a un sens, sinon pas drôle. Donc, du coup, ça m'a donné un tomomètre. Et en plus, un moins valide, parce qu'on va en avoir besoin pour un autre. L'avantage de ça, en plus avec le mode, c'est que, bah, vous voyez, je vais aller scanner mon papier. Voilà, ça m'a donné du cognito. C'est ce cognito en fait qui me servait ensuite à prolonger en fait mes recherches. Cognito, c'est tout ce qui est à base de mémoire, comme je vous ai dit, book et ainsi de suite. Ensuite, ceci, vous le mettez avec du bestia et ça va vous donner de l'humanus, donc tout ce qui est base de l'humain. Et il va vous en falloir un petit peu plus. Hop, un quatrième. Ça devrait peut-être suffire d'ailleurs. Alors, 4, vous le passez avec des fameuses. Donc ça va vous donner du Lucrum. Lucrum à Grade Arvaris. Vous lui foutez de l'ordo par-dessus. Ça va vous donner Instrumentum. Donc tout ce qui est instrument de tome de Minecraft, c'est-à-dire les pioches. Tout ce qui est à base de pioches. Voilà. Tout ce qui est à base d'outils, c'est pas les pioches, à base de outils, je veux dire les flints, quand on travaille avec quelque chose, voilà, c'est surtout ça. Ensuite, vous lui mettez par exemple de la terre. Grâce à la terre, ça va vous donner du perforatio. Là, c'est vraiment tout ce qui est à base de pioches, pur et dur. Et vous leur ajoutez par exemple de l'herba. L'herba, hop, l'herba, t'es où? T'es là. Voilà, et l'herba en fait ça va vous donner du mexami, ça veut dire tout ce qui est crop en fait, le blé, les carottes et autres. Ensuite vous prenez les crop, vous les mettez avec l'instrumentum, et ça va vous donner du métaux. Le métaux c'est tout ce qui est ou. Ou le truc pour bêcher, ce genre de choses. Maintenant on va passer à l'avant-dernière, bah, la dernière partie en fait, qui est assez chère d'ailleurs. Je vais voir s'il m'en reste. Je sais pas quel est. Elle est perfo, permu, c'est du manus, c'est du cognito. Cognito, je n'en ai plus. Si, cognito, j'en ai encore un. Mais il va m'en falloir deux de plus. Donc du coup, bah, je vais aller scanner tout simplement mon... Tiens, ça. Ouah, j'en ai découvert en plus. Hop, c'est magnifique. Donc du coup, bah du cognito, j'en ai plus. Par contre, il me faut des bestias. Et les bestias, du coup, c'est du Motus et du Victus. Le Motus, je n'en ai plus. Le Motus, c'est ceci et cela. Donc n'hésitez pas à en faire. De toute façon, ça va vite se recharger par la suite. Ensuite, du Motus et du Victus. Voilà. Le Victus, je n'en ai plus. C'est de l'aqua et de l'air. Aqua R. Non. Terra et de l'aqua. Merde, je me suis trompé. Terra et aqua. Oui, sinon j'étais en train de faire en fait du Tempestas. Donc qui n'a aucun rapport. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, du coup, j'ai besoin justement du bestia. Le bestia se fait comment? Du cognito, du spiritus. Non, t'es sérieux? Ah non, du motus et du victus. Ah oui, j'aime dire. C'est un problème. Voilà. C'est magnifique. Ensuite, donc du coup, on est à la bestia et du coup, on va se faire l'humanus. Voilà, j'en ai 6. Maintenant, l'humanus, on est content. Il va falloir le mettre avec le Terra. Pour se faire en fait du
Superfodio. Ceci étant fait, maintenant il vous faut de l'huma. Bon, ça vous en a déjà donné, ça va vous donner en fait de fabrication. Donc tout ce qui est table de craft. D'ailleurs, ça l'a pas donné. Ah, table de craft. Voilà, ça vous en a donné 4. Ça, en fait, ça dépend vraiment des mod packs. Hein. Ça dépend vraiment du mod pack. Hop, donc du coup, on est tranquille. Raison de plus, on va percer par faux et on va mettre du motus. Bon, évidemment, ça marche plus. Bon, tout ce qui est en dessous, en fait, ça marche plus vraiment. Donc du coup, ce que vous faites, en fait, vous créez votre piston. C'est clairement ça. Hop, vous passez ça par là, là par là. Vous prenez votre bois. Oui, 3 de bois. Il me faut de la cobble. Bon, l'avantage, c'est que vous la scannez aussi, c'est pas mal. On va faire dodo. Ça marche bien, on va faire dodo. Vous pouvez scanner votre lit. Oh, on a découvert des choses. Et maintenant, on peut tout scanner, en fait. Hein. Vraiment tout, tout, tout. Les chests, les gros chests. Oh, ça a débloqué. Ça, en fait, ça vous a débloqué des recherches complètement différentes. Hop, hop. La mana, c'est pas forcément utile. Ça, on l'a débloqué. Vous voyez, ici, c'était la recherche qu'on voulait faire avec le Perdition et le Motus. On l'a découvert. Donc, du coup, c'est une plaque de pression. La Stone Brick, qui est de l'herbe, principalement. The Quartz, hop. Je vous donne la tête. C'est possible, voilà, on a du motus, humanus et spiritus. La torche, c'est du luxe. Voilà, on l'a débloqué. Oak, bah c'est du bois. Glass panel, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La table de craft, on l'a recherchée, vous voyez, humanus, parce que c'est des recherches. Et on peut travailler avec. Également pour elle. Elle, pareil. The Crucible, c'est principalement de la magie, du métal et fabrication. Netherrack, on a trouvé la nouvelle recherche qui est infâme, Infarnus, je crois. Je sais plus à quoi ça sert réellement cette recherche. Tac tac. Voilà. Infernus. Ouais, c'est bien ça. C'est bien de l'Infernus en fait qui vous permet de faire ça. Essence berry, je crois pas qu'on puisse. Voilà. On ne peut pas. On peut scanner en fait ce qu'on a sur soi. Donc ça, c'est un mode. Voilà. Voilà. Vous voyez le nombre de recherches qu'on a dessus quand même. Hop. Le water, le flint. Ça, je suis pas sûr qu'on puisse. Ah si, on peut. Ça, je crois pas. Ouais. On peut scanner nos armures. Donc ça nous a donné du tutamen. Donc c'est ce qui est à base d'armure. Voilà. Vous voyez, on peut vraiment tout scanner. Hein. Ça, c'est du gélum. L'altar, on peut pas. Mana Speeder, je crois pas. Ah si, on peut. Snow, torche, de la dirt, oui, c'est pas mal. Hop, le gravel. L'andésite, je crois pas. La blackwood. Les fence, oui. La rose, c'est de l'herba et de l'ordo. Les cannes à sucre. Les cides, non, on peut pas. Les carpettes, si. Les seeds, on peut. La version blé, on peut naturellement aussi. Donc, vous voyez, à partir de là, on peut vraiment tout scanner pour vous aider en fait dans vos plus grosses recherches. Le coal. Et on peut voir nos petites nodes aussi. C'est plutôt pas mal. Les patates. Les carottes, les patates. Ok. Les briques. Important. L'obsidienne qu'on peut scanner maintenant. Les portails, l'obsidienne title, l'obsidienne totem, les nodes sinister, dans le chest, le name tag, la gunpowder, voilà. Et à savoir aussi une chose, c'est que là-dessous, en fait, vous avez des spawners, des gros spawners, qui vous servira pour plus tard. Et vous pouvez vraiment tout scanner, tout scanner, tout scanner. Sirène brique, tranquillou. Voilà, en tout cas, vous pouvez vraiment tout scanner maintenant.
Le bois, certains modes vous pouvez pas d'autres. C'est pas encore énormément compatible, mais ça peut être sympa à tout scanner quand même. Donc là, bah vous voyez, on a tout scanné en fait. On a vraiment tout fait. Et vous pouvez scanner aussi vos villageois si vous voulez, hein, naturellement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Surtout les cocos. Salut. Voilà. Donc j'ai scanné un petit peu tout le monde. Je peux même scanner le portail de la toilette. Ah non. Ah je pouvais pas. Ah d'accord. Certaines fois on peut, mais pas d'autres. Ça, ok, ok. Je sais qu'il y a le mouton aussi que vous pouvez scanner, le sheep. Voilà, c'est de l'humain. La lave. Voilà. En fait, à partir de là, vous pouvez vraiment tout scanner et pouvoir faire vos recherches avec une petite note supplémentaire. Si, quand même, pas mal magnifique. Ça, je suis pas sûr. Non, évidemment. Vous voyez, il y a certains modes en fait qu'on peut pas scanner, mais d'autres on peut. Donc, j'ai complètement pété en fait. L'autre totem, il se trouve par là-bas en fait. Mais où ça exactement, je ne sais plus. Je sais qu'il y avait un autre type de totem. Ah, il est en dessous. Avec une autre node. Voilà, Sinister. Ouais, bah voilà, c'est parfait. Voilà. Oh, il y en a encore un ici. Ah, j'avais pas vu lui. Ah, bah c'est cool. Ça va nous permettre de débloquer des choses. Salut. Oh, Sinister. Alors, un méga rubber. Pas sûr que je puisse scanner. Ah si. Safari. Blood. Infused. La pickaxe. Botania, je peux pas. Les cœurs. Non plus. Par contre, ça, je vais prendre. Et ça, je vais prendre. Il y a déjà pas mal de choses là-dessus, c'est plutôt bien. Ah merci en tout cas. Bon bah voilà. Oh tiens, des petites shards là-haut. Faut que j'aille les récupérer. Faut que j'aille surtout les récupérer celles-là, parce qu'elles sont assez précieuses. Ah, il y a même des shards en bas en fait. N'oublie pas de tout scanner. À l'état brut comme à l'état non brut. Voilà, et n'oubliez pas en fait, quand vous les pétez, n'oubliez pas de les scanner. Bon, évidemment, quand il n'y a pas de neige. Voilà. Voilà. Donc ça va, c'est plutôt sympa. Ça, on peut pas l'avoir encore. Mais c'est plutôt important de pouvoir scanner nos objets. D'ailleurs, une chose aussi à scanner. Ah, on peut pas. Ok. Ah, c'est bon à savoir. Ah tiens, Humanus. Non, on peut pas. Voilà. Bon, maintenant je peux. Ok, donc nous avons un beau petit truc ici. Ah oui, le bonne mille aussi que vous pouvez. L'os. Voilà. Vous avez donné corpus et ce qu'il faut. La poppy, c'est du Victus. Voilà. Donc vous voyez, on peut vraiment tout scanner. Vraiment tout. Le copper, c'est du permutatio. Voilà, avec tout ce qui va dedans. Hein. Donc vous voyez, on peut vraiment tout faire. Donc du coup, maintenant ceci étant fait, hop, je vais pouvoir retourner à la petite base. Lumber, c'est bon. Je vais péter le truc pour récupérer. Donc ce qu'on va faire là actuellement, c'est déjà, on va retourner chez nous. Déjà une bonne chose. Faudrait que je me trouve autre chose que ce genre de bouffe. Ça c'est bon, ça je vais les mettre là, ça je vais la garder pour mettre ici. Je vais scanner mon dométeur, voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez tout scanné, vous pouvez scanner aussi votre baguette, hein. Ça donne pas mal de choses, c'est quand même bien. Ensuite, ce que vous faites, c'est tout simplement, on va pouvoir débloquer maintenant nos recherches. Recherche expertise. Recherche expertise, ça vous permet en fait de... Vous avez 25% de chance de regagner un point.
un point d'aspect quand vous l'utilisez. La déconstruction table, en fait, elle nous sert tout simplement à partir de table de craft, principalement de table de craft, de récupérer des aspects. Et grâce à ces aspects, justement, on va se les faire, ces aspects-là. Parce que déjà, bah, c'est une guette. Faut dire ce qui est. Déconstruction table, c'est une pioche et une hache. Une pioche, une hache, une pioche, une hache. Tac, 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 tac. On va se faire ceci. Voilà. L'avantage, c'est que vous pouvez en fait faire vos objets de base. Ouah, j'ai crafté une pioche. Ouah, achievement gate. Vous pouvez les scanner. Voilà. Ça aussi, ça aussi. Voilà, et ensuite vous avez plus qu'à faire ceci, tac et tac, et qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Un thermomètre juste au-dessus, donc c'est pour ça qu'on en avait besoin. Voilà, on a tout simplement réussi à faire une déconstruction de table. Voilà, ensuite dans la quête du coup, ça nous a donné justement 100 tables de craft. Waouh, déjà les tables de craft c'est cool. Ensuite c'est un truc basique. Wow. Blood cookie. Oh. Genre on peut en manger un. Ah oui, ça vous donne un petite barre de cookies. Bon ça va, c'est plutôt sympa. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre déconstruction table. Donc la déconstruction table, c'est quand vous mettez des tables de craft, vous avez un petit peu, je crois, 100% de chance d'obtenir un aspect. Voilà, on obtient de la terre, de l'air, de l'ordo, en fait, tous les aspects de base, en fait. Tous les aspects de base, vous les avez. Donc, c'est des recherches infinies, en fait. Et vous voyez, en plus, on voit ce que vous décraftez juste au-dessus. Donc, ça peut être très long, hein, comme ça peut être très court, des fois. Mais, dans les médias, voilà. Bon, on va pas tous faire, parce que sinon, ça va prendre 36 milliards de temps. Et c'est pas le but de la vidéo. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est une recherche mastery. Ah! Vous voyez, là, il nous manque, en fait, de l'e-boot du cognito. Donc, maintenant, quand vous passez sur ça, grâce à ceci, les recherches et parties, vous pouvez, en fait, en maintenant Shift... ah non, ne pas les crafter encore. En fait, ça vous dit ce qu'il faut pour le créer. Et, en parlant de cognito, voilà, Spiritus et Ignis, en fait. Ce qui nous permettait, en fait, d'avoir du cognito. Et sur l'image que j'avais, en fait, c'était du Terra, Spiritus et Terra. Donc tu vois, ça a complètement changé en fonction des packs. Donc du coup, Cognito. Cognito, c'est du Spiritus et de l'Ignis. Ça, c'est bon, c'est pas trop un problème. Voilà. Donc, il m'en faut 6. Voilà, j'en ai 6. Et maintenant, de l'Ibou. L'Ibou, il faut aller chercher de l'Ibou. Voilà, c'est du Spiritus et... de l'air. Et maintenant, je peux clem. Et en faisant ça, vous avez maintenant 50% de chance de regagner un point d'aspect, additionné de 10% de chance de ravoir un autre aspect. Et maintenant, vous pouvez faire Shift-Clicking pour obtenir l'aspect automatiquement. Quand, par exemple, vous avez besoin de Cognito, Shift, vous appuyez et vous regagnez en fait automatiquement le point. Shift-Click. Et ça, c'est tout simplement un recherche duplication qui ne sert absolument à rien. Maintenant, on va faire une Advanced Note Taping. L'Advanced Note Taping, il nous faut ceci. Hop. Ça vous permet en fait de pouvoir ravoir des aspects lentement, mais sûrement grâce aux nodes. Voilà. Ensuite, vous avez votre Advanced Note Taping aussi également. La master plutôt. Et vous avez votre note préserveur. La note préserveur, à quoi ça sert? C'est tout simplement, vous pouvez maintenant préserver vos nodes dans des jars. Et pour cela, c'est un petit peu coûteux. Qu'est-ce qu'il me faut déjà? Ah oui, le hibou. Voilà. Note pré... Bon, j'ai juste cliqué sur une touche, hein, vous inquiétez pas. Du coup, et ensuite, vous avez juste à chercher, en fait... encore ce qu'il vous faut, voilà, j'en fais 7, du motus, voilà, et il vous faut du permutatio,
Voilà, Nodinger. Vous avez votre node ici, la node que vous trouvez n'importe où. Vous lui mettez de la glace autour, de la glace autour d'elle, en dessous d'elle, autour d'elle, au-dessus d'elle, et vous remplacez le dessus par des dalles. Une fois ceci, il vous faut une baguette qui stocke 70 vis de chaque, et vous faites un clic droit dessus, et ça deviendra une node in jar. Voilà, une node dans une jar, comme vous pouvez avoir là, node in jar. Voilà, c'est tout simplement. Donc, nous, on va se laisser là, parce que ça passe, mine de rien, très rapidement. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, moi, je vais aller débloquer, en fait, un petit peu les recherches de droite et gauche. Et là, c'est bien, parce que ça vous permet de faire des baguettes évoluées. Et puis, du coup, on va pouvoir se retrouver prochainement pour la suite de ce modpack. Sur ce, bisous tout le monde, et à la prochaine. Oh, Dunitor, cool. L'alimentum, ça, c'est cool aussi. Allez, à plus tout le monde.